Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hearthstone. Et comme d'habitude, je continue mon aventure dans le mode champ de bataille. Ça permet ainsi de vous montrer les évolutions qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai que régulièrement, le champ de bataille évolue. Là, j'ai une cote de 4545. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des petits changements, c'est-à-dire des missions en plus qui sont proposées. La mission au bout de 3 tours a disparu, mais il y a pas mal de petits trucs. Il y a des nouveaux serviteurs, donc faut s'adapter régulièrement, faut être capable de... il faut jouer en fait pour connaître tous les effets et pour pouvoir rivaliser avec les adversaires. Puis après, il faut avoir un peu de chance de tirer les serviteurs au bon moment. Alors là, tous les héros sont de type Maître Nguyen. D'accord, au début... Ok, donc tout le monde a pareil. Tout le monde a Maître Nguyen, donc c'est parti. C'est-à-dire qu'on choisit deux pouvoirs à chaque début de tour. Ok, on choisit entre deux pouvoirs. Et là, on a les dragons, Murloc, Mecha, Naga et Pirate. Ça va falloir voir... Alors... Ça a rien... on va tenter. Ça va pas apporter grand chose. Alors je suis pas trop fan des dragons, hein, mais c'est vrai que là de toute façon j'ai pas le choix pour avancer. Il faut prendre un serviteur qui me permettra d'avancer sans perdre trop de points de vie, donc bon, on va voir. Là c'est vrai qu'il y a les mechas, les nagas, il y a quand même. Oh, bah, il y a personne. Il joue pas lui. Je crois qu'il y en a deux qui jouent pas. On les repère, ils ont pas Nguyen. C'est vrai que ça les intéresse peut-être pas de jouer avec ce maître là. Ah là c'est plus intéressant. Alors, vengeance de 2 donne 1 PV à vos serviteurs. Nous avons vendu 5 serviteurs, vous obtenez. Bon, on va mettre celui-là. On va tenter, on verra ce que ça donne. Puis je vais essayer de récupérer l'autre et puis on va voir après. Alors si en plus je peux... Alors je joue contre lui. Il est toujours niveau 1, donc il a peut-être 2 serviteurs. C'est ça qu'il va falloir voir. Alors, il y a peu de chance s'il a 2 serviteurs, qu'il n'ait pas 2 serviteurs pour me dégommer lui. Bon, on va voir. C'est au tour prochain qu'il aurait fallu que j'ai ce pouvoir. Au moins un peu plus loin, mais bon. Si je pouvais commencer, parfait. Non, c'est pas parfait. Bon. Là, il gagne un point de vie, mais de toute façon, c'est pas définitif. C'est sur les premiers serviteurs, pas sur la réincarnation. Alors, à moins que ça ait évolué. Mais je ne pense pas. Alors, la taverne propose toujours une fois que. Ok, on va faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce que je peux perdre un peu des pièces d'or. Bon. Voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y a des pirates.
j'ai pas grand chose. Ouais. C'est pas terrible, hein, les amis, là. Pas trop satisfait de mon début de partie. Je vivote. Je vais partir sur les pirates, mais sur les pirates, sur les mechas, mais bon. Ouais. Un début de partie. À moins que j'ai un super pouvoir. Ah, il va falloir voir. En plus, c'est lui qui gagne en plus, c'est pas terrible. Oh, ça aurait été l'autre, ça aurait été mieux, pas de chance. Elle aurait pu gagner là. Enfin, ne pas perdre surtout. Deux fois par tour. Confère bouclier divin. Bah, là, je me pose pas la question. Bouclier divin. Alors là, j'ai pas le choix. Donc je vais prendre lui. Je vais prendre lui en bouclier divin. Ah, puis il y a lui qui est après. Ok. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais pouvoir enfin me développer? Peut-être dû mettre lui, bouclier divin sur lui. Bon, mais bon, je vais pas le garder à terme, donc il faut savoir. Alors, verdict. Oh purée. Ouf. Bon, je m'en sors. Faire ça. Parfait. Je vais rester comme ça. Ça me va plutôt pas mal. Après, je vais rajouter lui. Ça, c'est important avec la provocation. Lui. C'est vrai que je l'ai eu tard, lui, comparé à d'autres adversaires. On va voir. On va voir, mais ça me paraît plutôt mieux là. Je suis un peu mieux là. Après, il va falloir que je change de niveau de taverne. Je peux pas me permettre de rester à ce niveau-là longtemps en fait. Mais j'ai mis longtemps à y arriver. J'ai pas eu grand-chose en fait. Bon, j'aurais dû changer tout de suite, pas perdre de temps en fait. Là, ça va être compliqué, très compliqué. Oh là là là. Ouf. Bon, c'est moins pire. Ah, allez, si... Ah non, bah si tu pouvais, il aurait pu taper l'autre. Bon.
Faut voir les pouvoirs qui vont être donnés aussi, hein. Allez. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Non, je prends un risque, mais bon, je me dis, je vais quand même pas me faire éliminer à ce tour-là, quoi. Ça serait quand même hallucinant. Je manque de points d'attaque, c'est ça le gros problème. Il va falloir que je vois. Mais de toute façon, le serviteur que j'ai en réserve, il va falloir que je le mette au tour d'après parce que sinon je vais me faire dégommer. Ah, j'ai pas le choix. Bon, ouais, je veux pas trop perdre. Si je perds, je perds pas trop, ça va. Bon, c'est plutôt pas mal. Je m'en sors très bien même. Et lui, il gagne un petit peu. Alors, niveau 3, là, il faut quand même que j'ai... C'est bon, j'ai lui au moins. Ok, on va prendre ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Je vais faire comme ça. Ouais, mais je vais être obligé de l'enlever, lui, c'est pas possible. Je fais quoi maintenant? On va voir, je suis pas très confiant du tout. C'est assez pas terrible même. J'espère au prochain tour faire un peu mieux. Mais lui, j'aurais plus de points de vie en fait, je l'ai eu trop tard. Oh, lui, il est costaud, lui. Bon, c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal, ouf. 8-7, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que je vais récupérer là? Oh mince. Ça.
J'ai pas le choix, faut que j'y aille. Lui, je l'enlève. Soit je mets lui, soit lui. Au choix, c'est pareil en fait. Donc lui, on va le mettre là. Je le mets là. Et puis j'ai du lourd, j'ai les deux. Je vais pouvoir fusionner. J'ai de quoi faire. C'est plutôt pas mal là, c'est plutôt pas mal du tout. Je vais pouvoir mettre ça pour faire augmenter mes serviteurs là. Bon, on va voir si je m'en sors. Niveau 4. Il faut que je tienne deux niveaux, hein, les amis, là, pour essayer de trouver un serviteur niveau 6, qui serait plutôt un sympa. C'est jouable, c'est jouable. Et en plus, alors là par contre ça va être plus embêtant. Ah oui, ça, bon, pas grave. Ouais, ça c'est plus embêtant là. Ah, il me fait perdre beaucoup de points. Hein. Alors même s'il a que 1, ça me fait perdre pas mal de points de vie là. 11, 12. Bon, et là j'ai plus 8 7, bon, il va falloir voir quoi jouer là. Alors, déjà. On va prendre ça. Faut que gagner de la TK donne un PV à vos serviteurs. Ah bon? Ah. Qu'est-ce que. Je savais pas que c'était possible, ça en dragon, c'est plutôt pas mal. Serviteur gagné de la TK. Bon. Je vais voir si ça marche. Et là, je serai niveau 6 après. J'ai tout à gagner. Bon. En fait, l'idée, ça serait que. Si les râles d'agonie se déclenchent une fois supplémentaire, bah que je gagne plus 1 plus 1 une fois supplémentaire. Mais je suis pas sûr que ça marche. On va espérer. Ah, puis alors, c'est vraiment les serviteurs qu'il faut. Ouh, ça va être chaud là. Ça va être chaud patate. Pas l'air d'être le cas. Bon, ça passe facilement, mais. Bon. Naga, insensible, dragon.
voir ce que ça donne, il est insensible en attaquant, on va voir. Ah! On va voir ce que ça donne. Je suis pas très confiant là. Je suis un peu perdu là-dedans. En fait, j'ai pas tellement évolué. J'ai pas réussi à fusionner beaucoup de mechas et ça m'a pas fait tellement évoluer. C'est ça qui est pas terrible en fait. Chose. Ah mince. Ouf, heureusement. Wow, c'est chaud patate là. Ah, j'ai pas de chance là. Bon, je crois que j'ai perdu. Rien à faire. Ça s'est pas même pas bien passé. Bon, c'était une partie où j'ai pas pu me développer, donc je suis resté mou, on va dire. Bon, cinquième, c'est pas terrible, hein. J'ai connu beaucoup mieux. Allez, je repars pour un autre combat. Bon, ce coup-ci, j'espère faire mieux que cinquième. Hein. Seuls les trois niveaux de taverne 3, 4, 5, 6 existent, donc attention. Ouh, réincarnation, c'est mieux. Non, prendre ça, je vais pas prendre de risque parce qu'il y a les dragons, démons, uran, mort-vivant, alimentaire, il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle partie. Alors. Oh, 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 oh. Moi j'aime bien jouer les Uran, hein. Je peux rien faire. J'aime bien jouer les Uran, c'est très sympa, donc j'y vais. Oh, bon. J'ai de quoi faire. Magnifique. Alors j'ai de quoi faire là. Pour lui aussi, réincarnation, c'est pas mal. Il va améliorer mes petites gemmes. J'attends d'avoir un super serviteur pour les poser. J'en ai pas besoin pour l'instant.
après c'est plutôt intéressant parce que là, vu qu'on démarre au niveau 3, quand on gagne une manche, eh ben on marque beaucoup de points. Il y en a un autre là. Je prends le risque. Je prends le risque. On verra bien. Ça va pas durer éternellement. Il faudra que je les pose les gemmes, hein, parce que sinon je vais finir par perdre. Mais j'aurais aimé un serviteur, avoir un serviteur sympa comme le serviteur qui a le bouclier divin. Enfin, voilà, un serviteur qui me permet vraiment d'avancer. Parce que je sais que je vais le garder longtemps, en fait, c'est ça. Je vais la perdre la partie là, mais ah, si j'avais mis les gemmes, je la perdais pas. 3-2 en plus. Je fasse attention là. Faut quand même que je me protège donc. J'en mets un autre, hein, peu importe. J'ai pas le choix, hein. Mais alors après, je les mets sur qui? Il a quoi, lui, des démons? Oh, c'est fou, ça. C'est un peu... Je sais pas quoi faire, vraiment, hein. J'en mets une. J'en mets une parce que je suis embêté. J'ai peur vraiment de me faire dégommer et puis de perdre tous mes points et de perdre très très vite la partie alors que j'ai quand même des... J'ai 5 gemmes qui peuvent rapporter beaucoup et puis me permettre d'aller loin en fait. Ah, y a pas lui là ça. Oh là là, bah il va me dégommer hein. Ah, c'est exactement ce que je craignais. Et puis alors là... Je perds beaucoup. J'ai quasiment perdu la partie. Donc là, les amis, j'ai plus le choix. Faut que j'arrête de. Chaud, 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 chaud. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Si je pouvais avoir l'autre. Mais non, je l'ai pas. Je suis obligé parce que là j'ai perdu la partie si je fais pas ça. C'est. Je me dis je peux les fusionner, je peux aller loin avec eux, on va voir. Quand même plus de chance là maintenant. C'est plutôt pas mal, parce qu'en plus je gagne des gemmes malgré le bordel. C'est lui qui perd bonbon là. Bon, allez, ça suffit. Que je récupère l'autre avec bouclier divin, c'est pas possible. C'est une catastrophe.
destin, et je peux rien faire avec ça. Il y a des dragons, allez, on y va. T'as rien à ce que je fais, bon. On verra bien. Oh là là, j'ai pas de chance. Mais ça devrait pas non plus. Ça m'inquiète pas là. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Ouais, si je pouvais avoir l'autre, ça serait pas mal. Ou mettre un serviteur qui me met lui à provocation. Là, je mets. Bon. Lui déjà. C'est une catastrophe, j'arrive pas à avoir un serviteur qui m'intéresse vraiment. Il y a lui. Voilà. Je peux pas mettre. Oh, je vais tout mettre sur lui. Oh là. J'espère que ça va passer. Il avait quoi? Ça devrait passer. Ça devrait passer. Ah oh non, j'ai pas de chance. Bon. Prends lui déjà. Lui. Ouais, bon, c'est pas terrible. Bon, allez, hop. Oh, ben, il y a lui à récupérer. Bon, lui, il me sert plus à rien. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai mis le paquet, on va voir. On va espérer, on va espérer, on va espérer, on va espérer.
Ça va être costaud là. Parfait. Oh, franchement, c'est plutôt pas mal. J'espère que je vais pouvoir. Parfait. Si je pouvais jouer l'autre. C'est pas mal ça. Et je récupère des gemmes en plus. Alors ça, c'est bien. Voilà, faut pas que je me rate. Intéressant. Il joue aussi les Uranes. Ouh là là. Oh purée, je vais faire quoi avec ça, moi? C'est un risque, hein. Quand ce serviteur attaque, fait passer une fois par combat. Ouais, on va y aller. On va faire réincarnation. Ouais, j'aurais pu aller chercher l'autre, moi, c'est pas grave. Ah, j'ai pas réussi. Bon. Alors, ce que ça donne là. C'est là que ça se joue. Oh, ça a planté. Ah bah, j'ai lui. Oh, zut, j'ai un adversaire compliqué. Ah ouais. Mais j'ai pas perdu. Si, j'ai. J'ai presque perdu, c'est compliqué là. J'ai plein de gemmes. Bon, il faut pas que je me rate. Qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, lui, il me sert plus à rien. Je vais tout augmenter. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir ce que ça donne. J'ai pas eu les uranes qui m'intéressent vraiment, mais bon. Oula, qu'est-ce qu'il a lui? Oula, c'est quoi ce truc? Ça avait gagné que 4 gemmes, mais j'ai pas perdu. Oh zut, j'aurais pu éliminer, c'était pas loin.
Ouais. Alors. Ce que ça donne. Là, je prends un risque énorme. J'ai plus que 5 serviteurs. Alors, il faut que j'en ai un niveau 6 qui soit plutôt pas mal. Alors, élémentaire, furie des vents, mort-vivant, garde réincarnation. Allez, on va essayer. On va tout mettre lui. Pour dégommer éventuellement les un adversaire qui aurait des petits, mais là, je me retrouve un peu démuni. J'avais pas prévu ça, mais enfin je suis encore en course hein, les amis. J'aurais aimé avoir quand même le serviteur niveau 4 des Uranes qui gagne des gemmes à chaque fois qu'un autre Uran gagne des gemmes. Là j'ai pas eu grand chose. Ce que ça va donner. Il y a du lourd. Enfin, du lourd, non. Pas plus que ça. Ouais, ça va être le duel. Voilà, duel final. Lui, il a des uranes aussi, mais moi j'ai pas grand-chose. Va faire comme ça. Je vais refaire la même chose. Lui récupérer. Comment je vais faire là? Je le mets au milieu pour éventuellement avoir plus. Il faut que j'ai des gemmes. Comment je vais faire là? Je réincarne qui dans l'histoire? Je fais ça pour équilibrer et d'en avoir un peu de partout. Ou je vais voir ce que ça donne. Lui, il a des Uranes. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas. Ah oui, mais si au niveau 6, il est quoi niveau 6? Wow, c'est fini parce que je pense qu'il a dû récupérer l'Uran. Qu'à chaque fois qu'un Uran meurt, il donne des gemmes à tout le monde. Tous les autres Uranes. Et puis il y a des Uranes qui, dès qu'il y en a un qui gagne des gemmes, gagne des gemmes aussi. Donc ça se démultiplie comme des petits pains. On va voir. Lui, il va peut-être arriver au bon moment. Je sais pas. Parce qu'il gagne 2 gemmes à la fin du tour. Et il me donne 2 gemmes dans ma poche. 2 gemmes plus les gemmes qu'il va récupérer des autres serviteurs à côté. Va faire comme ça. Ah, j'ai quand même pas mal. Et puis il va falloir voir avec lui. Ah, lui, allez, s'il peut dégommer. C'est moi qui commence? Non, bon, pas de bol. Ça, c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est moins bien, ça par contre. J'ai pas de bol, mais lui il est indestructible. Ça va être injouable. Injouable. Ah ouais, là c'est dommage. En fait, lui il est insensible en attaquant. Donc bien joué parce qu'il lui a donné des tonnes de gemmes et voilà. Et donc il gagne facilement. Bah, après là j'étais armé pour bien progresser pour la suite. Là, j'avais du niveau. Là, au tour d'après, je pense que je pouvais lui faire très 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 mal.
C'est comme ça, mais bon, après, lui s'est développé bien avant moi, il a réussi à avoir les serviteurs qu'il fallait. Donc bravo à lui, il a gagné cette manche, et moi je finis donc deuxième de cette deuxième partie dans cette vidéo. Et donc, bah, écoutez, bon, bah, les amis, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et puis voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.